Cher Monsieur Brière, Mesdames et Messieurs, chère famille de Denis Brière, en vous distinguant pour votre engagement et votre constant esprit de coopération avec les plus grandes universités françaises, le gouvernement français a souhaité récompenser un homme de passion, soucieux de l'avenir et de l'excellence des universités francophones d'Amérique du Nord. Si j'en crois Montaigne, qui écrivait dans ses essais, « J'ai vu en mon temps, sans artisans, sans laboureurs, plus sages et plus heureux que des recteurs de l'université. » Vous seriez un recteur donc tourmenté par la mission qu'il veut remplir, alors que vous auriez pu vivre tranquillement des jours heureux en foresterie. Le 28 février, Hélène Le Gall, consul général de France à Québec, a remis au nom du gouvernement français l'insigne de commandeur de l'Ordre national du mérite à Denis Brière, 25e recteur de l'Université Laval, la plus ancienne université francophone d'Amérique du Nord. Monsieur Brière, au nom du gouvernement français, je vous fais commandeur de l'Ordre national du mérite. Cet insigne récompense le recteur pour son engagement sincère en faveur du développement des relations avec la France. Merci pour cet honneur qui me touche profondément. Ça va être un grand jour qui va rester dans mon cœur, ça c'est sûr. Mais surtout, merci à tous ceux et celles qui s'investissent dans ce partenariat franco-québécois inspiré par notre histoire. Plus récemment, le recteur a joué un rôle central dans la venue à l'Université Laval de réputés chercheurs français, lesquels contribuent avec leurs collègues québécois à faire avancer la recherche sur l'Arctique.